Alors bonjour la gang, je me présente Mathieu Gérard, je suis moniteur de la condition physique et des sports à la BFC de Bagotville. Est-ce que ça se pourrait que dû au confinement, qu'on passe davantage de temps à la maison, assis devant la télévision, devant l'ordinateur, devant nos cellulaires? Donc l'entraînement que je propose aujourd'hui est vraiment ciblé là, pour ce type de clientèle qui peut-être passe davantage de temps assis qu'avant. Ça reste que pour les gens qui restent actifs actuellement, qui trouvent un moyen de marcher ou quoi que ce soit, ça reste un entraînement qui est très, très, très bénéfique pour vous également. Donc, l'entraînement est seulement d'une durée de 15 minutes et a pour objectif là, de travailler au niveau des épaules, au niveau du dos, au niveau des hanches, plus au niveau posture. Donc, ça devrait vous faire beaucoup de bien à la fin du 15 minutes. Ici, je n'ai pas de musique, donc à la maison, si vous voulez vous placer une légère musique d'ambiance, mais je vous encourage à le faire. Par la suite, il y a des consignes qui passent à l'écran, qui vont dérouler à l'écran. Veuillez prendre le temps de les lire. En réponse à la COVID-19, PSP offre des séances virtuelles de conditionnement physique aux membres des Forces armées canadiennes. En utilisant les réseaux sociaux, les séances virtuelles de conditionnement physique adaptées aux membres des Forces armées canadiennes deviennent accessibles à tous. Les participants qui ne sont pas des Forces armées canadiennes reconnaissent et acceptent que leur âge, état de santé et conditions physiques sont inconnus et qu'il en revient à chaque individu d'évaluer sa propre capacité à participer à cette séance. Puisqu'il est préférable de consulter un médecin avant de débuter tout programme d'activité physique, nous invitons tous les participants qui ne sont pas des membres des Forces armées canadiennes à consulter le questionnaire « Mener une vie plus active » de la Société canadienne de physiologie de l'exercice ainsi que son document de référence. Si vous ressentez un malaise ou une difficulté pendant les exercices présentés dans cette vidéo, il est recommandé d'arrêter de consulter un professionnel de la santé. Si des membres des Forces armées canadiennes subissent une blessure pendant cette vidéo, n'oubliez pas de remplir un CF98. Alors, pour le premier exercice, tout ce qu'on a besoin, ça va être d'un balai. Je suis persuadé que vous en avez à la maison. Sinon, ça peut être un bâton également qui peut faire le travail. Donc, suivez-moi, on va aller au sol sur le chest. Okay. Je vais placer mes bras en extension. Et là, ce que je vais vouloir comme exercice, c'est venir m'appuyer ce côté-ci de mon menton et faire une rotation. Faites-le en même temps que moi. Donc, bras en extension, je m'appuie de ce côté-ci et faire une rotation comme ça. Ma tête vient au sol, mes bras restent en extension. Mes pieds également là, sont encore en appui au sol. Je vais garder la position là, un petit 10 secondes. Là. 9 et 10. Excellent. On va aller du même côté là, pour une deuxième fois. On va le faire trois fois en fait. Donc, en appui sur mon bâton, je rotationne. Pour 3, donc le plus possible, je tourne les épaules vers le sol, je garde mes pieds à plat au sol, 9 et 10, et une troisième fois, on est parti. Gardez les bras en extension. Et 10. On va y aller pour de l'autre côté. Je vais changer de côté. Allez-y quand vous êtes prêts. La tête à côté au sol. Les bras sont en extension. 7, 8, 9 et 10. De retour au centre. On sent que ça fait du bien, là. On continue. Là. On sent que ça fait du bien au niveau des omoplates. On effectue une rotation thoracique. Là, ce qui peut aider là, à ouvrir la posture là, pour les gens qui travaillent beaucoup assis. Là. 9 et 10. Et une troisième fois. Plus ça va, le plus c'est facile évidemment, parce que notre corps s'échauffe en même temps. 9 et 10. Excellent. Ici, on va continuer avec un exercice pour le trapèze inférieur. Donc, c'est juste en dessous des omoplates et aide beaucoup l'omoplate à se plaquer là, sur le corps.
Donc, j'ai encore les bras en extension un petit peu plus large que les épaules. Et tout ce que je vais faire ici, c'est lever un petit peu ma poitrine et en même temps lever le bâton. Pour 1, 2, 3, 4 et 5. Donc, je serre mes fesses, je rentre mon nombril, je lève un petit peu du sol, c'est parti, et je lève les bras en même temps. 2, 3, 4 et 5. On continue une troisième fois. Serre les fesses, rentre le ventre. C'est parti. 1, 2, 3, 4 et 5. Ça te fait mal au dos, là. Tu peux simplement le faire en levant les bras. Sinon, ben, pour le reste, bon, on va simplement serrer les fesses, rentrer le nombril. On est parti pour 1, 2, 3, 4 et 5. On le fait une dernière fois. 5 répétitions, donc c'est parti encore une fois. 1, 2, 3, 4 et 5. On peut laisser le balai au sol. On va se lever debout. Pied largeur des hanches. Prends une bonne inspiration en levant les bras vers le haut. Et expire en descendant. Et là, vraiment, laisse tout tomber. On va le faire une deuxième fois. Prends une bonne inspiration en montant. Et expire. On le fait une troisième fois. Super. Donc, on va le faire une deuxième fois. On reprend le balai. On se repositionne au sol pour une deuxième série. Mes bras sont en extension. Je vais m'appuyer de ce côté-ci. Et on est parti. Je m'appuie sur mon balai. Mes pieds restent au sol. Mes bras en extension. On sent la rotation au niveau du haut du corps, au niveau thoracique. Ça fait du bien. Et là, respirez. Super, regarde ça tranquillement. 9 et 10. On va venir au centre, on va le faire deux autres fois. C'est parti. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Et une dernière fois. C'est parti. Allez, rotationne le plus que tu peux. Garde les pieds à plat au sol. 5, 6, 7, 8, 9 et 10. On s'en va de l'autre côté. Je vais changer de côté. Quand vous êtes prêts, vous pouvez commencer. Super. Garde les bras en extension. Je t'encourage à respirer tranquillement. C'est un beau moment là, de pause pour vous. 8, 9 et 10. Deuxième. C'est parti. Pour 1, reste en appui là, sur le bout du balai. 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Et une petite dernière, c'est parti. Pour 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Excellent. On reste en position, donc on va lever la poitrine ainsi que le balai là, pour une durée de 5 secondes. C'est parti. 1, 2, 3, 4, 5. On redescend. N'oubliez pas là, tout ça par des fesses et abdos. C'est parti. 1, 2, 3, 4 et 5. Troisième série. C'est parti. 1, 2, 3, 4 et 5. Gardez les bras en extension là, si vous pouvez. Deux derniers. 1, 2, 3, 4 et 5. Et un petit dernier. 1, 2, 3, 4.
position debout. Je prends l'inspiration en montant les bras et en expirant, je laisse tout tomber. Et là, je relâche au niveau des épaules, au niveau du cou. Une deuxième. On expire et on relâche. Une troisième. On expire et relâche. Pour la fin de l'entraînement, on a besoin d'un mur ici. On se place les pieds à genoux des hanches. On va avoir les paumes de main qui sont vers l'avant, les bras en extension. Et là, l'idée, là, c'est de ramener, c'est d'aller chercher là, les points repères d'une bonne posture. C'est quoi les bons points repères? On a premièrement le bas du dos qui est à côté au mur. On a les omoplates qui sont à côté au mur également. Et par la suite, tout ce qui nous manque, c'est la tête. Et je rentre le menton pour avoir vraiment là, comme la nuque là, qui est à côté sur le mur. Donc, on est parti pour 30 secondes. Je vais remasonner les points techniques. Donc, le bas du dos est à côté au mur. Les omoplates. La nuque. Donc, en rentrant le menton, c'est la nuque qui va s'accoter. Encore 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Super. Deuxième, on reste en position. Je fais seulement plier là, mes bras comme ça à 90 degrés. Et là, je vais renforcer un petit peu les muscles au niveau du haut dos. Donc, pour 90 degrés. Et on est parti pour 10. Je pousse vers le mur. 1, 2, gardez votre bas de dos là, bien stable. 3, 4, 5, 6, 7, pousse vers le mur, pousse vers le mur. 9 et 10. On revient à notre premier exercice. Bras en extension. Je rentre le menton. Mes omoplates sont collées ensemble. Comme si je voulais tenir un crayon. Je bascule mon bassin pour avoir le bas de dos collé au mur. Encore 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Je plie mes bras. Et là, je renforce mon dos. On est parti pour 10, 9. Gardez les épaules basses, là. 7, 6, 5, 4, allez, force vers le mur, force vers le mur, 2, 1, super, une dernière fois, on étire les bras, on colle les omoplates, rentre le menton, et là, ça fait du bien, là. On a vraiment un beau feeling d'une posture qui est bien allongée, qui est solide. Ça, on va tenter là, de revoir là, ces points de repère-là au courant de la journée. Là, je vous invite à y repenser au courant de la journée. C'est important là, de revenir à la base. Encore 5, 4, 3, 2, 1. Super. Je plie les bras. 90 degrés. On est parti pour 1, 2, allez, force. 3, garde les épaules basses. 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Super. Là, on sent notre dos qui est bien solide, notre colonne vertébrale qui est efficace. Là, on a retrouvé certains points repères. Donc, je vous encourage à refaire là, cette capsule-là, cet entraînement-là, au besoin, au cours de la semaine. On peut le refaire 2, 3, 4 fois. À tout moment, lorsqu'on se sent un petit peu là, rouillé ou endolori, là, ça peut vraiment bien servir pour vous. Donc, merci beaucoup d'avoir été là aujourd'hui. On se revoit sous peu. Bye!